Bonjour tout le monde, ça va bien? Yes, ça va bien. Quand on applaudit, c'est quelque chose qui se passe de plus en plus souvent. Puis des fois, ça peut être mal interprété par des personnes, parce qu'on est ici pour grande gloire à Dieu, vraiment. Et je vais donner la comparaison de quand, si quelqu'un a des problèmes alimentaires, OK, et qu'il ne peut pas manger de pain, pas de viande, pas rien, et que tu t'assois à côté de lui, puis tu manges, puis là, tu manges un steak, puis du beurre à l'ail, puis un paquet de homards. Puis là, naturellement, dans toi, si tu enjoy ce que tu manges, ça va faire « Ah, que c'est bon! Ah, que c'est bon! » Puis l'expérience d'aimer la nourriture, elle sera comme pas nécessairement complète si tu ne l'exprimes pas. OK? Et fait que moi, c'est ça que je vois qui est en train de se passer ici. Où est-ce qu'on est en train d'adorer Dieu? Et là, naturellement, l'expression, c'est on veut l'exprimer, on veut le chanter, puis on va finir en tapant des mains parce que le corps s'exprime dans l'adoration. Donc, je veux juste qu'on comprenne qu'on adore Dieu ici. On peut l'acclamer, on peut être content des dons qu'il a donnés à l'Église aussi pour la croissance du corps. Je voulais prendre le temps de le dire parce que c'est quelque chose, justement, quand la louange est présente et est bonne, c'est comme manger un bon homard. Tu fais « Oh, c'est bon! » C'est le fun. Gloire à Dieu pour ça. Avant de commencer mon message, c'est important parce que je vais oublier. Il y a des clés de char. Il y a quelqu'un la semaine passée qui les a oubliées. Je ne sais pas comment tu as fait pour rentrer chez toi. Tu devais avoir un double. Mais si jamais c'est à toi, tu pourras venir les chercher plus tard. Tu penses à toi, Pierre? OK, ben là. Oh, OK. C'est bon. Ouais. C'est bon. OK. On continue notre série dans la lettre aux Corinthiens. Est-ce qu'on a le visuel en place ou non? On ne l'a pas, c'est pas grave. Le visuel, dans le fond, qu'on avait choisi, c'est un... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, cette discipline-là, aux Jeux olympiques. C'est un long bateau, puis tout le monde rentre. Ouais, comme ça. Ça représentait bien un peu ce qu'on comprend de la lettre aux Corinthiens. Où est-ce que tout le monde doit ramer dans la même direction, chacun selon leur position, pour arriver à une destination? Fait que ce qu'on voit dans la lettre aux Corinthiens, on appelle ça ensemble, c'est difficile, parce que ramer tout seul, tu peux t'ajuster, tu es capable de revirer, je faisais du canot, je peux faire ce que je veux, mais quand j'apporte mes gars, par exemple, on s'en va un petit peu plus croche, il faut que j'ajuste mes coups pour être capable d'aller où est-ce qu'on veut. Le problème avec ça, c'est que là, les Corinthiens, ils rament tout, ils sont en train, en tout cas, de ramer dans la mauvaise direction. Ils vivent leur vie comme s'ils ne connaissaient pas nécessairement le Dieu de l'Évangile, comme s'ils ne connaissaient pas nécessairement le Dieu de la Bible. Puis, honnêtement, je vais vous dire que pour moi, cette semaine, ça a été vraiment difficile d'interpréter le texte qu'on va voir ce matin, parce qu'on veut être juste quand on enseigne. On veut, justement, si on est en train de diriger, il y a de la louange qui est dirigée aussi, c'est facile d'aller dans une mauvaise direction théologique. C'est facile de dire, bien, j'ai pris le texte, puis je l'ai interprété d'une mauvaise manière, puis de vous l'enseigner, puis qu'après ça, bien, on met ça en... Ça fait sa racine dans notre cœur, on met ça en pratique, mais on s'écarte, on est dans la mauvaise direction. Fait que je vais prier avant d'ouvrir la Bible. Seigneur, merci pour ta grâce, ta parole, ton esprit qui nous enseigne aussi. Tu sais. Seigneur, quand on s'égare, tu reviens nous chercher, tu nous réalignes, tu places des frères, des sœurs, tu places des personnes sur nos vies, tu places ta parole pour qu'on puisse... trouver le chemin, Seigneur, de la paix. Et on veut te prier pour ça ce matin. Seigneur, c'est un texte qui est difficile. Il y a plein de personnes, tu vois, Seigneur, qui nous visitent ce matin, qui sont curieux de toi. Que ça puisse te glorifier. Toute ta parole, Seigneur, elle est bonne. Toute ta parole, Seigneur, nous sert. Donc, que ça puisse servir, Seigneur, malgré que le texte soit un petit peu plus difficile. Révèle-toi à nous. Fais-toi connaître. Puis, empêche-moi de tomber dans des pièges théologiques qui ne seraient pas ce que tu voudrais, Seigneur Dieu. Amen. Hey, on va tourner ensemble dans Josué 1, au verset 7. C'est pour renchérir avec ce que je disais plus tôt. Josué 1, au verset 7. Je lis ici. Sept, ouais. Ici, seulement, c'est Dieu qui parle,
Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi de Moïse, mon serviteur, que mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses où que tu ailles. » Il parle de la loi de Moïse, mais aujourd'hui, pour nous, c'est la parole de Dieu. Puis Dieu, il dit, « Fais attention, écarte-toi-en pas ni à gauche ni à droite, reste au centre, là. Afin que, parce qu'on la met en pratique, afin qu'on réussisse dans nos entreprises, dans la marche, quand on réussisse, c'est pas nécessairement dit qu'on réussisse en business, que dans notre entreprise, dans le cadre de notre marche avec Jésus, qu'on réussisse là. Donc, c'est facile de s'écarter à gauche et à droite. Fait que oui, cette semaine, j'ai trouvé ça difficile. Puis avant d'ouvrir le texte d'aujourd'hui, je vais l'imager un petit peu parce que c'est quelque chose qu'on a vu que Paul aborde depuis le début, où il y a une mauvaise attitude dans l'église de Corinthe, il y a des divisions, il y a du monde qui se pense meilleur que d'autres qui disent « moi j'aime mieux tel pasteur, lui c'est un vrai apôtre, lui c'est pas un vrai apôtre ». Et puis ils chicanent entre eux, puis ils se pensent tous plus hot les uns que les autres. Puis là, Paul voit ça et dit « oh, il y a quelque chose qui ne marche pas ici, clairement, il y a quelque chose qui ne s'est pas enraciné dans le cœur ». Pour qu'ils comprennent l'humilité puis la grâce qu'ils ont reçue en Jésus. Fait que Paul, là, il va comme briser un genre de tabou, puis il va essayer d'ébranler une fausse sécurité spirituelle que les Corinthiens s'appuyaient. Okay? Ils s'appuyaient sur une fausse spiritualité, une fausse sécurité spirituelle. Puis c'est pour ça que je veux dire que ce matin, ça va être difficile parce qu'on ne veut pas générer de la peur, on ne veut pas générer de la panique spirituelle. On ne veut pas générer ça, puis ce n'est pas ça que Paul voulait générer. Puis je vais vous montrer, je vais vous donner une image pour comprendre quand on va lire le texte, OK? Puis l'image que j'ai eue pour ça, c'est l'image de quelqu'un qui vient d'apprendre, exemple, qui a fumé toute sa vie, puis qui a un cancer des poumons. Puis là, c'est un choc pour tout le monde. Fait qu'il va voir le docteur, le docteur dit non, il dit, ouf, le cancer est vraiment grave, tu as de la misère à respirer, je comprends, tu ne pourras pas guérir de ce cancer-là. Tout ce qu'on peut faire, c'est étirer. Okay? L'image, on va l'appliquer au texte après. Okay? Tout ce qu'on peut faire, c'est étirer, puis tu vas faire de la chimio, puis tu vas peut-être vivre un an. Fait que la personne rentre dans la chimio, commence à rusher, puis elle fait ses traitements, puis elle espère vivre un an, un petit peu plus. Puis là, plus que l'année avance, plus que la personne semble aller mieux. Puis là, le monde, il n'ose pas trop parler, le monde n'en jase pas, c'est comme il est censé mourir, on ne va pas faire de fausse joie. Mais le dernier scan révèle une complète guérison. Les poumons sont roses, roses, roses. Et le cancer est parti. Puis là, on attend. On ne veut pas trop se réjouir. On attend. Puis après un an, bien là, il passe d'autres scans. Bien, le cancer est complètement parti. Fait que là, c'est la fête pour la famille, pour tout le monde. La personne qui était censée mourir, finalement, elle est guérie complètement. C'est contre toute attente. Fait que c'est la fête. Fait que ça fait venir des ballons. Ça fait un grand festin. Ça l'invite même le docteur. Puis le docteur qui arrive, puis il voit ça, puis il dit, « Imaginez, attendez, là, je suis content que vous soyez guéri, là, mais j'avais un patient, il y a 2 ans, qui a eu la même guérison que toi, puis ça a pris 1 semaine. Après, c'est revenu, puis il est mort. Puis là, j'ai vu un paquet de cigarettes sur la table. Tu ne peux pas vivre comme ça. » Dans le sens que là, il vient comme péter la balloune de la fête, OK, pour dire, il y a une réalité qui est là. Il y a une réalité qui dit que le docteur, ayant eu l'expérience, ayant vu d'autres cas, fait que il faut voir que tu vives prudemment maintenant. J'ai vu du monde se célébrer, j'ai vu du monde, puis j'ai vu du monde que le cancer est revenu. C'est un peu l'image que Paul donne, puis on va parler c'est en quoi ça l'affecte le quotidien sans affecter nécessairement notre sécurité éternelle en Jésus-Christ. Tu sais, il y a une grosse différence à voir là. Donc, on va tourner dans le texte aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens 10, 1 à 14. 1 Corinthiens 10, 1 à 14. C'est dans la version Second 21. Frères et sœurs, déjà ça commence bien, c'est en famille, c'est un amour. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée de la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu à la même boisson spirituelle
En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait, ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour boire et pour manger, puis il se levait pour s'amuser. Ne nous livrons pas à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont morts, tombés en une seule journée. Ne provoquons pas le Seigneur comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui a été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est ça que je dis quand, tu sais, tu veux pas, ça prend une théologie large de la personne de Dieu. Parce que c'est quoi le but de Paul? Tu sais, justement, c'est-tu de générer cette peur-là? Puis là, on a chanté, il n'y a plus de place pour la peur. On a chanté, ta grâce me suffit. Mais là, Paul, il aborde quelque chose ici qui dit non, ça nous sert d'exemple à nous. Je pense que Paul est en train d'aborder qu'il y a une mauvaise compréhension de la liberté des Corinthiens. C'est comme pourquoi Jésus les a sauvés. Pourquoi les Israélites ont été sauvés. Ils ont été libérés pour un but précis. Fait qu'il dit, frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers la mer et ont tous été baptisés en Moïse. Fait qu'il va plus loin que ça. Il dit qu'ils ont tous fait ça, puis que Moïse, quand il a écrit la parole, avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit Saint, ben, c'est écrit, tous ces faits leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. C'est assez étonnant. Ou est-ce que Moïse, peut-être qu'il dit, « Hey, boy, je vais écrire ça parce que les autres, les enfants de Dieu qui s'en viennent, l'Église, il va falloir qu'ils apprennent de nous où est-ce qu'on est tombé, où est-ce qu'on a été désapprouvé, on est mort dans les airs. » Il a écrit ça pour que nous puissions lire ça. C'est assez intéressant. Puis là, il va faire la comparaison entre les deux. Il va dire, vous savez comment ils ont tous marché sous la nuée. Ça, c'est le peuple d'Israël, là, des milliers d'années, qui a été libéré d'Égypte. Ils ont passé au travers la mer, et ce qui les dirigeait, c'était une colonne de feu, de lumière dans la nuit qui éclairait leurs pas. Fait que quand Paul il dit ça, il veut faire un parallèle avec leur foi en Jésus. Dans Luc, c'est écrit, les Corinthiens connaissaient cette lumière-là. Dans Luc, c'est écrit, « À cause de la profonde bonté de Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et ceux qui sont dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » Donc, quand Paul dit, « Ils ont tous été sous la nuée, dirigés par la nuée. Ils ont été dirigés par cette lumière-là. Vous êtes dirigés par Jésus. » Premier parallèle, pareil. Ils jouissaient de la protection de Dieu, complètement, les Israélites. Ils sont arrivés sur le bord de la mer, ils avaient connu la délivrance miraculeuse, et là, ils arrivent sur le bord de la mer, puis tout le monde crie, parce que l'armée du Pharaon s'en vient, puis ils vont les tuer. Là, tout le monde a peur. Tout le monde a peur, puis ça crie, puis ça crie, puis ça crie. Mais Dieu les a protégés miraculeusement, en les libérant de l'ennemi. Fait que là, il dit, vous, les Corinthiens, vous jouissez d'une protection surnaturelle de Dieu, comme eux. Dans Hébreux, c'est écrit, « Ainsi, par sa mort, en parlant de Jésus, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a libéré tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. » Donc, là, il dit, eux autres ont été libérés de leur ennemi. Vous avez été libérés surnaturellement, protégés par Dieu de votre ennemi spirituel. Christ est mort, vous êtes maintenant libérés
de cet ennemi-là. Vous êtes libéré de la peur de la mort. Vous êtes libéré de la peur du jugement. Vous êtes libéré. Après ça, ils ont tous été baptisés en Moïse. Bon, là, il fait un parallèle. On parle de baptême, mais qu'est-ce que ça veut dire être baptisé en Moïse? Bien, il fait le parallèle entre... Le plus facile à interpréter, c'est ils ont traversé la mer unis à leur chef spirituel. Ou est-ce que, comme je te dis, ils étaient là en train de crier sur le bord de l'eau, mais Moïse, lui, entend la voix de Dieu. Puis Dieu, il dit le prochain pas à faire. Puis il dit, c'est quoi qu'il va faire pour libérer le peuple? Et le peuple crie. Puis là, Dieu dit, mais pourquoi il crie? Moïse prend le bâton, fend la mer, passe. Moïse, il obéit à Dieu. Et là, les Israélites voient ça et ils suivent. Donc, ils sont baptisés, ils sont unis à leur chef spirituel qui a fait sortir 600 000 personnes d'Égypte. Ils l'ont suivi. Nous, on a tous été baptisés en Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église. Hein, on voit ça? Christ est le chef de l'Église. On a été baptisés en lui, en sa mort. Il fait le parallèle. Vous voyez là, eux, ils ont marché sous la lumière. Vous marchez avec la lumière. Eux, ils ont été protégés surnaturellement. Vous êtes protégés surnaturellement. Eux, ils ont été baptisés en Moïse. Vous êtes baptisés en Jésus-Christ. Et après ça, il dit, ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu à la même boisson spirituelle. Les Corinthiens aussi savaient qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Ils ont mangé la manne qui venait du ciel. Nous, on mange le pain de Dieu qui vient du ciel. Jésus dit dans Jean, il dit, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné du pain du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il leur dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus dit, je suis le pain de vie. Les Corinthiens comprennent, il est en train de dire, Moïse, ils ont mangé du pain spirituel, vous mangez. Au corps de Christ, quand on prend la Sainte-Sainte, par exemple, c'est l'image qu'on a. Ils ont été abreuvés d'un breuvage spirituel. Ou est-ce que c'est un... Paul, il dit, c'est une image de Jésus. Mais vous savez c'est quoi les paroles de Jésus? Qu'est-ce qu'il dit à la femme samaritaine dans le désert, Jésus, pour ceux qui connaissent l'image? Il dit, elle va puiser, puis il dit, si tu bois cette eau-là, tu auras toujours soif. Puis si tu savais qui était devant toi, tu m'aurais demandé de l'eau, puis je t'en aurais donné. À la fête, à une grande fête en Israël, le dernier jour de la fête, Jésus est debout devant tout le monde. Puis il s'écrie, si... Il crie, là c'est marqué, il s'écria. Je ne veux pas crier, mais il a crié. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi aura des fleuves d'eau vive qui couleront en lui. Ces fleuves-là jaillissent jusque dans l'éternité. Fait que là, les Corinthiens, là, ils comprennent tout le lien. Hey, Israël a fait ça, oh, comme nous! Puis tu te dis, ouais, mais c'est nos ancêtres ont marché. Bien, tous ceux par la foi en Jésus-Christ, on vient s'attacher à la famille de Dieu par adoption. C'est nos ancêtres à nous aussi qui ont traversé la mer, qui ont vu la nuée, qui ont été protégés, qui ont été baptisés en Moïse, qui ont mangé du pain. Et là, les Corinthiens voient le lien. Aïe, aïe, c'est fou, on est pareil. Tu sais, comme quand tu catches que quelqu'un a la même date de fête. C'est quoi ta date de fête? C'est le 9 octobre. Puis toi, 9 octobre. Ah, le 9 octobre, les deux! Tout le monde capote, c'est comme, on a un lien, tu sais. Puis là, moi, j'imagine les Corinthiens faire, waouh, c'est donc bien cool. C'est comme, c'est vraiment pareil. Puis là, Paul qui dit, êtes-vous au courant qu'ils sont presque tous morts dans le désert? C'est comme, le gazou qui fait... Êtes-vous au courant qu'ils sont tous morts dans le désert? Presque tous. Ils n'ont pas été approuvés par Dieu. Même Paul, au verset précédent, il dit, au contraire, je traite mon corps durement, avec discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Mais c'est quoi le but de Paul? Justement, est-ce que c'est de générer la peur? Plus de place pour la peur. Parce qu'il continue après, là, il donne son point, puis il va avec des exemples tough. Là. Hey, là, c'est pas n'importe quoi. 23 000 dans une journée. Les serpents. Non, c'est pas cool, là. C'est des choses. Hey, le destructeur. Puis il dit,
c'est facile de prêcher quelque chose, justement, puis de dire, voyez qu'est-ce qui est écrit ici, on le détache d'une théologie globale, de la grâce de Dieu, du salut qu'on a en Jésus-Christ, de l'encre, parce que Jésus veut produire la paix en nous, l'assurance. Hein? On a lu dans Romains, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Et ça vient nous protéger, ça vient nous bâtir une sécurité en nous qui est saine, une sécurité qui fait non, Dieu, lui, s'est engagé envers moi. Mais de l'autre côté, les Corinthiens vivent dans une insouciante sécurité. Et c'est important. C'est facile de dire, ah ben là, le texte dit, voici, ils ont été libérés, eux. Mais après ça, ils se foutaient de Dieu. Dieu les a fait périr. Arrête de pécher, tu vas périr. Puis ça veut dire que tu n'es pas chrétien. C'est comme facile d'arriver à une conclusion comme ça. C'est la manière la plus naturelle, je pense, de comprendre le texte, si on ne se creuse pas les idées pour dire, mais c'est quoi que Paul voulait générer comme émotion? C'est qu'est-ce qu'il voulait ébranler? Est-ce qu'il voulait ébranler le salut de la personne? Savoir que Jésus est venu, qui a fait une vie parfaite, qui a pris le péché à la croix, qui est mort à la place du pécheur et qui offre la vie et le pardon à tout le monde. Est-ce qu'il veut ébranler ça? Non, il ne veut pas ébranler ça. Est-ce que ça peut créer de la peur de lire ça? Oui, ça peut créer de la peur. Est-ce que c'est toujours mauvais de la peur? Non. Il y a une place, je pense, des fois, pour une saine peur. Puis on est tellement contre cette idée-là de peur, parce que les religions ont tellement utilisé la peur pour rendre esclave, hein? Pour faire obéir. C'est la peur qui est le moteur de tout. Mais là, ici, on ne parle pas d'avoir une peur moteur. On parle d'avoir une saine compréhension de qui est Dieu, de sa sainteté, puis d'avoir une saine peur, des fois, il y a de la place dans nos vies chrétiennes. Ça me fait peur. Ça, j'ai déjà entendu dire, moi, « Ah, je n'irai pas à cet endroit-là, là. J'ai peur de moi-même. J'ai peur des conséquences. » Ah ben, la peur, à ce moment-là, est devenue un allié dans sa marche. Puis, ce n'est pas de vivre sous l'angoisse, sous la domination de la peur, c'est de dire, il y a une place saine pour avoir une certaine peur, des fois. Je vais vous donner l'image de mes gars. J'ai 3 gars, on habite à la campagne, ils sont très libres, OK? Très, très libres. Ils font l'école maison. Moi, je leur permets, tu sais, comme moi, j'ai toujours fait des feux quand j'étais petit. Fait que là, je dis, OK, si vous voulez faire des feux, là, moi, je veux savoir, quand vous le faites, vous prenez de l'écorce de bouleau, des petites branches, puis dites-moi où, je veux superviser votre feu. Vous ne promenez pas dans la forêt avec les bâtons. Faites un petit feu, ayez du fun, c'est correct. Je ne veux pas de feu dans la maison. Je ne veux pas d'allumettes dans la maison. Je ne veux rien dans la forêt. Puis je leur fais méga confiance. Trop, les enfants. Puis, à un moment donné, là, ça fait assez longtemps, je ne me rappelle pas. Mais j'apprends donc, toi, qu'ils ont les allumettes dans la chambre, puis qu'il y en a un qui en a allumé une. Mais je dis, mais what? Je faisais confiance, là. Genre, il aurait pu mettre le feu à la maison, c'est dangereux. Tu sais, puis je leur avais expliqué, c'est dangereux, le feu, là. Tu peux te brûler, tu vas voir, ça se peut que tu te brûles les doigts, ça peut être dangereux, mais ils ne catchaient pas la gravité des conséquences possibles du feu. Fait que là, je ne savais pas quoi faire parce que ben, je veux qu'ils me fassent confiance. Je ne voulais pas générer de l'anxiété, des traumatismes, mais j'ai dit, je vais trouver des images de grands brûlés pas trop pires, tu sais, pour qu'ils comprennent, tu sais, puis, j'ai dit, les gars, venez, là, je leur ai montré des images, je ne voulais pas qu'ils soient traumatisés, mais je voulais qu'ils soient conscients que la loi que j'avais donnée, c'était pour les éviter de vivre les conséquences de ce feu-là, qui sont plus grandes qu'ils étaient capables d'imaginer. Fait que ça, c'est l'image du feu. Fait que, est-ce que tu devrais avoir peur d'être à côté du feu avec un bidon rempli d'essence à 1 pouce? Ben oui. Puis, je n'ai pas de faire du contrôle par la peur. Moi, je n'apporte jamais mon bidon proche du feu. Est-ce que c'est sain comme peur? Tout le monde va dire, ben oui, c'est sain. Pas de là à faire de l'angoisse et avoir peur de tout, mais de dire, non, ça, j'aime pas ça, ça me fait peur. Ben c'est sain, c'est correct. Une saine crainte de Dieu. Puis la différence entre une saine crainte puis ce que faisaient les Corinthiens, c'est qu'ils vivaient dans une insouciante sécurité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils croyaient que parce qu'ils étaient enfants de Dieu, OK, ça leur donnait un bouclier magique sur toutes les conséquences possibles terrestres de vivre une vie d'insouciance, de débauche, une vie de tout ce que tu es capable de t'imaginer, que tu sais, ça, c'est pas trop catholique, tu sais, quand on dit ça.
ils pensaient qu'ils étaient à l'abri de ça. Ils vivaient dans une insouciante sécurité. Je suis enfant de Dieu. J'ai un bouclier qui me protège du châtiment de Dieu. Oui, du châtiment éternel, où est-ce que c'est tombé sur Jésus. Mais ici, on voit clairement que les Israélites ont été désapprouvés dans leur marche et ont été disqualifiés. Et je veux qu'on s'arrête ici sur c'est quoi être disqualifié nécessairement. Ça veut pas, je ne crois pas ici que le texte parle de dire, OK, bien, ils ont connu Jésus, puis là, tout d'un coup, ils ont connu Dieu, puis tout d'un coup, ils ont été juste, on va dire les vrais mots, là, ils sont partis brûler en enfer. Non, non, je ne pense pas que c'est ça qui est écrit, parce que, justement, plus de place pour la peur, plus de place pour, on a l'assurance que ni la mort, ni la vie ne va pouvoir nous séparer de l'amour de Jésus, de Dieu manifestant en Jésus-Christ, mais il parle des conséquences terrestres. Moïse a été disqualifié en passant. Hein? Vous saviez, Moïse n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Fait que c'est pour ça que je dis, la première chose que Paul fait ici, c'est qu'il dit, ils ont tous fait ça, ils ont tous été libérés, puis la plupart ont été disqualifiés. Puis le premier dans la tête qu'on pense, c'est Moïse. Mais on sait que Moïse, il a été accueilli par Dieu. On va lire dans Nombre 20, okay? Parce que Moïse, il a péché en représentant mal, puis en exécutant mal ce que Dieu lui avait demandé de faire, dans Nombre 20. Mais le Seigneur dit à Moïse, « Vous n'avez pas eu confiance en moi, vous n'avez pas manifesté aux yeux des Israélites que je suis le vrai Dieu. Pour cette raison, ce n'est pas vous qui conduirez ce peuple dans le pays que je leur donne. » Il y a quelque chose qui s'est passé ici qui n'enlève pas l'amour de Dieu, qui n'enlève pas l'identité de Moïse, qu'il est devant Dieu. Dans Deutéronome, c'est écrit, « Moïse monta sur les plaines de Moab, sur le mont Nebo, au sommet de Pisgas vis-à-vis Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, toute Nephtali, le pays d'Éphraïm, de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer Méditerranée, le Négev, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des Palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, « Voilà, c'est le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, « Je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y rentreras pas. » Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut sur cette montagne. Et là, on voit qu'il y a eu une conséquence, où est-ce que Dieu avait un plan, il voulait lui faire goûter, une figue de la vallée de Jéricho, il voulait lui faire goûter une date. Mais Moïse, dans sa marche, a été disqualifié parce qu'à un certain moment, il n'a pas été prudent dans la manière de gérer ses actions. Et d'autres sont morts dans le désert complètement. Ils n'ont pas connu Dieu pour vrai, dans le sens que tout de suite, on le voit, ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas un amour, ils n'ont pas une saine crainte, comme on dit, ils n'ont pas cette peur, bonne peur, dans le sens que nous devrions avoir peur, mais nous n'avons pas à avoir peur parce que Dieu nous a donné son Fils et il nous aime. Vous comprenez? Dans Jean 10, 28, c'est écrit, Jésus, on a lu ça ce matin en haut justement, « Je leur donne la vie éternelle » en parlant de nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, ceux qui acceptent notre réalité de pécheurs puis besoin d'un sauveur. « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, c'est mon Père qui me les a donnés. Et il est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Donc, il y a une assurance qui est là. Il y a une assurance. La foi chrétienne vient produire vraiment une paix, une joie, un courage, ce qu'il dit. Hein? Quand au début, il dit « Prends courage. » Puis après, on fait attention. Mais il y a une joie de dire « Hey, j'ai été imprudent, je suis tombé là. Je me relève, Seigneur, ce n'est pas mes actions qui brisent l'alliance. Seigneur, tu as fait une alliance éternelle avec moi, je ne peux pas être ravi de ta main. » Mais d'avoir peur des conséquences terrestres de ce que ça peut faire de vivre dans l'idolâtrie, par exemple. Hein? De vivre dans la débauche, de vivre dans le mensonge. Toutes les conséquences liées à ça. Il n'y a pas de bouclier magique sur un chrétien. Fait que le but de Paul, ce n'est pas de générer une angoisse, mais c'est d'ébranler une fausse sécurité pour que les personnes puissent se repentir, pour
pour que les Corinthiens puissent comprendre qu'ils étaient appelés à beaucoup plus. Leur liberté, c'est beaucoup plus profond que ce qu'eux pensaient, beaucoup plus beau. Fait que ça, c'est une des premières choses qu'ils voulaient faire. Ils voulaient ébranler, je pense, ils voulaient ébranler la fausse sécurité dans laquelle ils s'appuyaient. Pour dire, regardez, il leur est arrivé ça. Puis après, ça va plus loin, un petit peu plus loin, on va le voir la semaine prochaine dans le texte, il y a beaucoup de monde qui sont malades dans l'Église. Bien, c'est directement lié à ce que vous faites. C'est directement lié. Fait qu'il y a deux buts pour moi. Ébranler ça, mais la chose qui doit être absolument ébranlée dans le cœur des Corinthiens pour qu'ils puissent marcher avec Jésus dans le chemin de la paix, c'est qu'ils doivent changer leur conception de la liberté. C'est quoi être libre dans la vie? Moi, je suis un gars libre, OK? Ça a été un problème toute ma vie parce que ma liberté, là, elle a un gros prix, là. Tu ne m'empêcheras pas, hey, tu ne me mettras pas dans mon chemin. Tu ne veux pas que je fasse ça? Non, non, j'ai le droit de le faire. Ma liberté, elle a un gros, gros prix. J'étais allé voir dans le dictionnaire, c'est quoi la description qu'on a de la liberté, puis c'est la description qui est enracinée dans notre cœur, dans tous les Québécois, tous les Africains, tous les Ukrainiens. C'est enraciné dans notre cœur. Voici la traduction, la description que j'ai. Situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, esclavage, servitude, etc., qui n'est pas enfermée. La liberté, c'est la possibilité, le pouvoir d'agir sans contrainte. Fait que ça, c'est notre conception de la liberté. Qu'est-ce que la liberté? C'est quoi la liberté de choix? Hein? Être libre, c'est pouvoir choisir. Je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de prendre telle décision médicale si je veux. Je suis libre de faire ça. C'est quoi la liberté 55 ou la liberté 65? Je suis libre à ma retraite de pouvoir prendre tout mon temps pour faire ce que je veux. Si je veux pas aller, si je veux aller jouer au golf, je peux aller jouer au golf. Si je veux aller faire un tour de bagnole, je vais aller faire un tour de cabriolet. Je peux. C'est ma liberté. C'est quoi la liberté financière? C'est-à-dire, je vais arriver à un certain point, je vais être assez libre pour pouvoir faire tout ce que je veux sans contrainte avec mon argent, sans me soucier des choix que je dois faire parce que je suis libre d'une manière financière. C'est quoi un Québec libre? C'est moins populaire aujourd'hui, mais le Québec libre, c'était quelque chose d'important dans les années 70. C'était l'idée de dire, hey, on va être libre de prendre nos décisions nous-mêmes sans être soumis au gouvernement canadien. Vive le Québec libre, le Québec qui peut décider pour lui-même. Et ça, c'est la compréhension de la liberté. Qu'est-ce que le diable a dit dans le jardin d'Éden à Adam et Ève? Pouvez-vous manger de tous les fruits? Et pas tout, il sait qu'ils n'ont pas le droit. Pouvez-vous en manger? Bien là, Ève, toute bonne, a dit, bien, on peut manger de tous les fruits, mais pas un. Mais il est en train de mettre en doute la liberté qu'ils ont. OK, bien, tu n'es pas vraiment libre. Tu es soumis à quelque chose. Tu n'es pas libre. Mange-en. Là, tu vas être comme Dieu. Lui est libre. C'est ça qui m'en doute. Il vient briser la conception de la liberté saine. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Exode, quand il apparaît à Moïse? Il a dit, l'Éternel Dieu, le Dieu des Hébreux, il dit, tu vas dire ça à Pharaon, il dit ça à Moïse. Il dit, Moïse, tu vas aller vers Pharaon, tu vas leur dire ça, puis on va voir ce que tu dois faire par la suite. L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour que je puisse te dire, laisse aller mon peuple, hein, libère-le, afin qu'il me serve au désert. Il y a une conception de la liberté qui est en lien direct avec le fait d'être vraiment libre, c'est d'être capable de servir le Dieu qui nous a sauvés d'un cœur humble, sincère, de mettre en pratique ses commandements. C'est ce qui rend libre l'être humain. Ce qui rend libre l'être humain, c'est d'être libéré pour appartenir et apprendre à mettre en pratique les ordonnances de Dieu. Il n'y a rien de caché. C'est pas, tu sais, quand tu as un contrat et il y a des mini-clauses que tu n'as pas vues. C'est pas ça. Là, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est clair. Tu es en train de dire, je ne m'appartiens plus pour appartenir. Je suis libéré pour appartenir à Dieu puis pour le servir dans tout ce que je fais. Donc, c'est là la liberté. Elle est là.
la liberté d'être capable aussi de renoncer au péché, de renoncer aux choses qui nous rendent esclaves, de savoir que non, Dieu m'a libéré de ça. J'ai la capacité, j'ai la force en moi à cause de Jésus qui m'a donné son esprit. Dieu, on va voir, Dieu prépare le moyen même de sortir de la tentation. Mais ce qui avait de besoin d'être le plus vraiment enraciné dans le cœur des Corinthiens puis ébranlé, c'était la conception de la liberté. Puis même des fois, on va venir à Jésus, puis c'est correct parce que des fois, Jésus fait son chemin avec le temps, puis l'Esprit Saint travaille et tout. Fait, des fois, on va venir à Jésus parce que lui colle avec nos valeurs, par exemple. Ah, ouais, ben ça colle. J'ai entendu des chrétiens dire telle chose, puis moi, je pense ça du monde. Puis là, ah, ben là, on se rend compte que, ben là, moi, je vais à Jésus parce que ça colle avec ma façon de penser. Puis finalement, mais c'est plus que ça, là. L'alliance, c'est s'il te demande de renoncer à tout ce que tu crois, puis tout ce que tu mets en pratique, s'il te demande, Jésus, de dire, tu vas aller dans un monastère pendant les 40 prochaines années, si Jésus te le demande, tu dis, je ne m'appartiens plus, puis je suis libre maintenant. Ce n'est pas l'idée de coller quelque chose, de dire, ça fit avec ce que je crois, je continue de décider. Non, je veux apprendre à te connaître, je veux apprendre à marcher avec toi. Et c'est un défaut du chrétien du 21e siècle. On pense vraiment que la marche chrétienne, c'est comme une option, un côté de nos vies, un volet. Non! Le baptême par lequel on a passé, c'était le renoncement total à qui nous sommes pour appartenir à Dieu et devenir libres. Donc, ça devait être ajusté chez les Corinthiens qui pensaient que leur liberté et qui ramène tout dans la même direction, ben c'est pas grave, c'est pas « ouais, il nous a libérés, mais tu sais, on n'a plus de condamnation maintenant, oui, il nous a libérés, mais on fait ce qu'on veut, on peut manger de tout ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. » Puis là, Paul dit « oui, dans un sens, c'est vrai, mais c'est pas pour ça que tu as été libéré. Tu n'as pas été libéré pour manger tout ce que tu veux, tu n'as pas été libéré pour tout ce que tu veux, tu as été libéré pour appartenir et servir le Dieu dans toutes les sphères de ta vie. Ton travail devient un endroit pour servir Dieu. Ça devient ça. C'est plus un travail séculier, comme on va dire. C'est plus ça. Ah, si j'étais ce pasteur ou si je fais... Non. Il t'a tout pris, tout lui appartient. Tout, c'est un endroit pour le servir. Ta famille. Ah, quand j'étais à l'église, j'étais tellement bien, mais quand j'arrive chez nous, ouf. Non, ta famille appartient à Dieu. C'est un endroit où on peut apprendre à le servir. Tu ne t'appartiens plus, tu es serviteur de l'Éternel. Dans ta famille, à ton travail, dans tes amis. Et ça se fait d'une manière simple et humble, avec disposition de cœur, vous comprenez? C'est pas le fardeau déposé, ben là, ouais, là, sois serviteur, deviens-moi. Non. C'est une recherche claire, sincère de ce que Dieu s'attend de nous aujourd'hui. Renoncer à quoi? Chercher où? Prier pour qui? C'est une recherche simple, claire de dire, Seigneur, c'est à toi aujourd'hui. Pas comme les Corinthiens faisaient, vous comprenez? C'est comme, ben, je suis libre de faire ce que je veux. 1 Pierre 2, comportez-vous en homme libre, sans faire de cette liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant au contraire comme les serviteurs de l'Éternel. La liberté, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, il dit aux Juifs qui crurent en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » En demeurant dans sa parole, en demeurant dans ses exigences, même plus loin, ils vont dire ses exigences à Jésus, elles ne sont pas difficiles. On arrive à Jésus avec un cœur léger. C'est pas... J'écoutais une vidéo TikTok, puis c'était des musulmans, des imams qui parlaient, puis ils disaient, on n'a pas le droit de boire de vin, puis ils disaient tous les règlements, puis ils étaient, hey, on est chanceux, là, en islam, on n'a vraiment pas beaucoup de règlements comme ça, parce que Dieu, c'est un Dieu de liberté, mais leur Allah, tu sais, mais je me dis, ben nous, on est vraiment libre, dans le sens que on est vraiment libre de manger ce qu'on veut, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut, il n'y a pas de règlement, il y a des principes moraux, à dire, moi, Seigneur, je mets en pratique ça, puis si je tombe, je vais me relever. Mais ce n'est pas conditionnel à l'alliance avec toi. Ce n'est pas conditionnel. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite,
la loi de la liberté et qui persévère, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qu'il travaille, celui-là sera heureux dans son activité, mettre en pratique. C'est la liberté, mais les Corinthiens s'appuyaient sur une mauvaise conception de la liberté. Puis ils s'en allaient tous dans la même direction, c'était un mouvement de foule. Puis c'est pour ça que Paul dit après, « Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. » L'appel à la prudence. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc, c'est relativement clair. Là, dans les Corinthiens, il y avait le mouvement de foule, c'est-à-dire, on se laisse aller, on se livre à nos tentations. Mais il dit non, il dit, si tu penses être debout, là, sois prudent, apporte pas le bidon au bord du feu, là, ça peut te sauter d'en face. Il y a des conséquences à ça. Ça peut faire du mal à plein de monde, à toi, à ta famille. Premièrement, il n'y a aucune tentation que tu es le seul à supporter. Il fait ça aussi en disant, en montrant les Israélites. Hein, il est en train de dire, écoute, frère, bien aimé, c'est beau, là. Écoute, ils ont passé par là. Ils sont tombés. Ils ont été tentés. Ils ont tombé dans l'immoralité sexuelle. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils ont provoqué Jésus aussi. T'es pas le seul, vous n'êtes pas les seuls dans votre chaise à vivre ces tentations-là. Tous les hommes sont soumis parce que c'est le moyen que Satan peut utiliser pour faire l'œuvre qui n'est pas de Dieu quand on tombe. Mais il dit, Dieu, vous pouvez compter sur quoi? Sur Dieu qui est fidèle. C'est lui qui est fidèle. Vous pouvez compter sur Dieu. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Fait, il faut le comprendre que Dieu a donné des moyens. Il y a sa parole. Qu'est-ce que Jésus fait pour supporter la tentation dans le désert, par exemple? Il utilise la parole. Puis il dit quand le diable lui dit, « Fais du pain avec ça », bien là, Jésus sort. Il dit, « Non, tu ne mangeras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus a pris un moyen que Dieu avait préparé pour supporter la tentation. Parce que tout le monde est soumis. Tout le monde est soumis à ça. Et au lieu de se livrer, dans Romains 6, je vais le lire ici, dans Romains 6, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire de Dieu, de même vous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, nous le serons aussi avec la résurrection. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a aucun pouvoir sur lui. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Dieu prépare la parole, Dieu prépare. Puis il y a des tentations qui sont grandes, puis on tombe. L'assurance, c'est de savoir que Dieu, il prépare. Puis ici, il va dire à la fin, ici, c'est drôle, ce qu'il a préparé. Ici, c'est marqué, c'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Des fois, on est capable de faire face à quelque chose. Des fois, c'est, non, sors de là. Enlève ça. Non, jette ça aux poubelles. Sors, fuis, va-t'en. Va-t'en, tu n'as pas la capacité. Le moyen que Dieu a préparé, c'est la porte, là. Sors. Des fois, c'est ça le moyen, fuir. J'écoutais un film, Avatar, là. Puis justement, là, il y a un monstre qui est là, puis la fille dit, bouge pas, il faut que tu lui tiennes tête, bouge pas.
tu vas voir, il va s'en aller. Bouge pas, reste là, sois ferme. Puis là, après ça, il y a une autre bête plus grosse qui arrive en arrière, puis fuis! Là, tu ne peux pas résister, tu ne pourras pas rester. Le moyen, c'est de fuir. Fait qu'un appel, un appel à la prudence, un appel à la renouvellement de notre intelligence en Jésus. C'est quoi notre liberté? Est-ce qu'on croit que la loi de Dieu est bonne pour nous? Est-ce qu'on croit que Jésus nous a vraiment tout pardonné? Lui qui voit les cœurs, qui sait tout. Est-ce qu'on croit qu'il nous a pardonné au complet? Est-ce qu'on croit qu'on a des fautes qui sont trop lourdes pour lui puis qu'on les garde dans un sens dans ce temps-là? Non, il a tout pris. Fait que je vais m'arrêter là-dessus. Oui. Je vais inviter les musiciens. Je vais terminer juste en parlant un peu de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est beaucoup, beaucoup de choses en même temps. C'était facile un peu dans le temps de le comprendre. C'est que les gens, quand ils ne se tournaient pas vers Dieu, ils se tournaient vers des idoles de bois ou ils offraient des sacrifices à des statues. Fait que c'était facile, c'était de placer sa confiance dans autre chose qu'en Dieu. Fait que de l'idolâtrie, on va en avoir au Québec dans certains lieux de culte, où est-ce qu'on va aller prier quelqu'un d'autre, on va aller prier un saint, on va aller s'adresser à d'autres divinités sans s'adresser à Dieu. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Là, il dit de fuir ça, de renoncer à ça pour s'attacher à Dieu seul, à Jésus. Seulement de fuir, de ne pas aller s'asseoir dans des temples comme ça, de pas être participant. Fait que ça, c'est l'idolâtrie comme facile à identifier dans un sens. Mais non, j'ai pas de statue, façon de parler de la Sainte Vierge dans ma maison. Puis c'est facile à identifier. Mais il y a l'idolâtrie dans le profond des cœurs, où est-ce que c'est des endroits où que nous nous appuyons sur d'autres choses que sur Dieu pour trouver paix, sécurité, amour, joie, bonheur. Et ça, il faut être capable de les identifier, de dire, OK, ça, c'est vraiment une idole pour moi. Comment je fuis ça? Comment je renonce à cette idole-là? Et pour ça, on a besoin de l'aide des uns des autres pour ça. On a besoin de pouvoir être accompagnés, de prier ensemble, de réfléchir ensemble, mais c'est quoi cette idole-là que tu gardes? Puis elle est démasquée. Puis là, tu dis, ben, Seigneur, moi, je renonce à ça. Puis je me tourne vers toi seulement dans cette région-là de mon cœur aussi. Donc, ça peut être beaucoup large, l'idée des idoles, tu sais, de fuir l'idolâtrie. C'est pas juste statuette, musique, c'est pas juste ça. Ça peut être très profond, spirituel aussi. Je vais vous laisser chanter.